Salut à tous et bienvenue dans ce 8e ou 9e ou je ne sais plus quelième épisode de ce Nuzlocke Challenge sur le Pokémon version YQ. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, on était un petit peu en période de fête, en période de vacances également, donc je me suis un peu relâché, voilà, il faut le dire. Mais c'est pour repartir de plus belle avec cet épisode que nous allons justement continuer. Donc nous avons quoi? Nous avons un badge. Je vais peut-être laisser un petit peu le son. Alors j'ai un badge au bout de... On va regarder ça au bout de combien d'heures? 11 heures de jeu. Ok, donc ça va. C'est pas énorme. Hein. Si, c'est justement, c'est énorme, excusez-moi. Alors nous avons Okami level 24, Weshta vu niveau 25, Axu level 25, Nakti level 26, Whoopidop level 22. Et j'ai pris également Koiko level 16. D'ailleurs, Pokémon Koiko a trouvé un Nosley Shiny. Et il l'a appelé par mon pseudo, car justement, Osley, je l'ai appelé Koiko, et peut-être que ça lui a porté bonheur, en tout cas, je l'espère. On va dire que c'est grâce à moi qu'il est tombé dessus en hasard. Donc, voili, voilou. Alors, on va continuer la partie. Je ne prends pas, comment il s'appelle, le fossile, car je n'ai pas le droit dans le Nuzlocke de prendre les fossiles. Oui, je n'ai pas le droit de prendre des Pokémon qu'on peut me donner. Donc c'est un peu ballot. Alors ici, on n'a peut-être pas encore visité. Il y aura sûrement des Dracer. Il pleut, donc je vais peut-être changer de Pokémon. Et je vais envoyer... Nakti, elle est déjà level 26. C'est déjà énorme. On va envoyer Whoopidop au combat. Y a-t-il... Ah, il y a une baie en tout cas ici. Une baie Mago. Bon, honnêtement, les baies, même dans ma partie, j'étais pas à fond dedans. Enfin, je m'en fiche quoi. Qu'est-ce qu'elle me veut avec son bikini rouge? Le cherche obligé n'avait vraiment pas son pareil. Avec lui, on s'en fiche d'avoir la vue basse. Il trouve tout ce qu'on ne voit pas. Ok, donc merci pour le cherche objet. Donc ça fait vraiment plaisir. Si tu t'approches d'attaque, elles sont rouges. Ok, donc je vais mieux vous expliquer parce qu'en gros, une fois j'ai lu ces explications et je me suis dit, mais what the fuck, c'est quoi ce truc de ouf? Et au final, c'est super facile. C'est ultra facile, of the dead. Utiliser, je vais vous le montrer. Alors ici ça montre qu'il y en a un pas très loin. Hop, bon, il est plus là, donc c'est à dire qu'il était à gauche. En fait il faut suivre. Ok, et il est où? Il est en dessous je crois, voilà. Quand ça fait une sorte de croix, ça veut dire qu'il est là. En plus de ce bruit assez chiant. Pour trouver une putain de perle trop swag qu'on pourra vendre, je sais pas, 2000 ou 3000, ou peut-être 5000. Non, les pépites c'est 5000, je crois que c'est 2500 celle-là. Hop, allez, un combat. Je ne sais pas nager, mais tant que mes Pokémon sont avec moi, je peux aller où je veux, ouais. Allez, c'est parti. Et c'est... Ah, c'est une nana. Simone. Wesh, Simone. Un go Elise. Est-ce que le type fée n'est pas très efficace contre le type O? Je ne sais plus. On va tester. Vibre à quoi? Non, c'est bon, c'est easy. D'accord, c'est easy. Il y aura quoi? J'ai pas envie d'être confus, donc merci. Et j'ai enlevé les animations pour que ce soit plus rapide, parce que c'est vrai que c'est chiant de perdre du temps pour des animations qui sont pas moches, hein, il faut le dire, mais c'est bidon, quoi. Tac, tac, Tranchelb. C'est super efficace, et il me fait un choc mental. Ils me font que des attaques pour me rendre confus, là, j'ai l'impression. Choc mental, vibre à quoi? Tranquilou, quoi. Psycho Quake et KO et Whoopidop prend de l'expérience pour bientôt monter au niveau 23. C'est plutôt cool. Tac tac tac. Alors, je prends le risque de le combattre ou pas celui-là? Parce que s'il a des Magikarp, ça va me faire chier. Admire mon lancer, je l'ai répété des centaines, non des milliers de fois. Toum 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 toum. Trois Pokémon. Tentacool. Je vais changer parce que Tentacool est de type eau poison et on sait que le poison est super efficace contre le type fée, donc voilà, ça semble un peu mal parti. Je vais envoyer I don't know. Est-ce que t'as... On va envoyer Okami parce que je sais qu'il a Rafale Psy en espérant qu'il nous fasse une attaque de type poison et pas de type eau, sinon ça va faire mal. Et il fait Bulldo, super. Oh my god. Ah oui, ça fait vraiment mal. Fais chier, Rafale Psy. C'est super efficace, ok. Je vais vite changer parce que là, ça pue du cul.
Ah non, je vais le garder. Je fais le fifou. Parce que voilà. What the fuck? Oh my god! Je vais peut-être changer en fait. Ouais, on va changer. Et je vais envoyer. Hop! Comment il s'appelle? Eurocoups. Let's go. On va faire Vive Attack avec. Alors, si Buldo fait mal, c'est parce qu'il pleut en fait. Donc, forcément, c'est multiplié par je ne sais plus combien. Je crois que c'est 1,5. C'est dans ces eaux-là, quoi. C'est le cas de le dire. Pff, à la blague. Alors, on va faire un. Charge. Ouais, charge. Voilà. On sait tous que Tentacool et Tentacruel n'ont pas une bonne défense, mais ont une excellente défense spéciale. Voilà, voilà, pour la petite explication. Bon, on a un petit peu entraîné, vraiment un petit peu, hein, c'était vraiment chaotique. En fait, j'ai envie de continuer, mais. Parce que là, j'ai peur pour l'arène. Honnêtement, s'ils sont level 20, je sais pas combien là, 25 et tout, ça va faire mal au cul, donc voilà, voilà. Alors, au contraire, nous avons un Kukias qui est très nul en défense spéciale, mais qui est plutôt pas mal en défense. Je pense que je vais faire vœu. Mais non, mais. Ok, donc en fait j'ai fait vœu, sauf que ça a cliqué à côté, mais c'est pas grave. Oh, stop. Oula. 4. Oula. Oh, 1 PV. Oh my god. C'est une blague. Je vais peut-être changer de Pokémon. C'est quoi ce truc de ouf? Ouais, c'est quoi ce truc de ouf? Ça fait mal au cul là, j'ai failli perdre un de mes Pokémon. Faut que j'arrête de faire le if ouf et de mieux jouer parce que là c'est un peu caca. Et justement, je parle de caca quand je vois Nacti, loul. Ah ouais, d'accord, donc lui il enchaîne les 5 quoi. Tranquille. Je vais lui faire un morsure. Tac. Le truc qui est bien, c'est que maintenant l'attaque charge. Qu'est-ce que je voulais dire? L'attaque charge est à 100% de précision. Alors qu'avant elle était à 95, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est ça, 95. Du coup, de temps en temps, ce petit Bigorneau loupait son attaque, ce qui était assez chiant, hein, si je puis dire. Morsure pour te niquer la goule, loul. Ah non, il est pas KO. Ah, mais il est pas paralysé, mais il a eu la trouille. Donc, c'est aussi bien. Voilà, allez hop, t'es out. T'es tellement out. Je vais peut-être aller. En vitesse soigner mes Pokémon parce que là ça pue du cul. Oula, vite, esquive. Alors. Ah oui, c'est vrai. Ouf, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Pokémon. Donc bon, veuillez m'excuser si je joue comme une brêle. Hop, on va visiter la nouvelle ville. D'ailleurs, je ne sais plus le nom. Reliefagléo, je crois. Reliefagléo, un truc du genre. Pff, non, je crois que je me trompe. Je sais plus. C'était d'être un truc du genre. Je suis très fatigué, donc veuillez m'excuser. Que veux-tu me dire? Un Love Disc contre un Stélix. C'est tellement équitable. Non merci, je n'ai pas le droit. Un Love Disc contre un Stélix. Je sais même pas si je l'ai fait dans ma version X. Oh putain, mais il pleut à verf. Il pleut à verf, ouais. Truc de ouf. On va aller battre, hop, la dernière petite délaisseuse. Qui est un peu cheatée of the dead. Allez, c'est parti. C'est la dernière fois que je mets ce maillot, tu seras mon dernier adversaire dans cette tenue. Tant mieux, tu vas te rhabiller, grognasse. D'un côté, être en maillot de bain alors qu'il pleut, pas très très logique, j'ai envie de dire. Pas vraiment. Un mascadra de type vol-insecte, et non pas eau-insecte, comme, ou eau et vol, comme je pouvais le penser autrefois. Évidemment, justement, il a des attaques de type plante. N'importe quoi. Ouh, des attaques de type... Je sais plus ce que je voulais dire, des attaques de type blablabla. De type eau, oui, voilà, justement. Parce que justement, Aragdo est un Pokémon de type insecte et eau. Donc je me suis dit, bon bah lui, quand il va évoluer, tranquille, ça va être insecte et eau, t'as vu. Et en fait, non, ça devient vol et insecte. Donc, lolilol, cohérence x10. Susu, allez hop, tornade et TKO. Allez, tchuss, bilout. Ça c'est fait. Bon, allez, Whoopidop level 23, ça serait plutôt swag. Ah oui. Ah oui. Level 23. Pouf.
ça fait plaisir. Heureusement, j'ai déjà choisi le nouveau maillot que je porterai ensuite. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, c'était le fin mot de l'histoire. Au revoir, Grognasse. Relifac, le haut, pardon, et pas les os. Tac, 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 tac. On va soigner ces Pokémon et on va se lancer dans la nouvelle arène. Enfin, en tout cas, la deuxième. Hein. La première, on l'avait faite au bout de 2h45, je crois. Celle-là, on va la faire au bout de 11h15. Tout à fait normal. C'est parti. Oh, j'ai l'impression qu'elle est en train de boiter la conne. Abusé. Est-ce que j'ai... Mais non, j'ai... Ah, j'ai des rollers, mais oui, c'est vrai. Pff. En fait, je vais regarder pour le vélo, mais... Vraiment fatigué. Ah, voilà, lui, il a un vélo et moi, j'en ai pas. Eh, mais c'est peut-être ici qu'on peut l'avoir. Attendez, mais c'est pas là. Je vais peut-être aller me le procurer. Hop. Mais si, c'est là. Pff. Donc non, je ne l'avais pas. Bonjour et bienvenue. Oh oh oh, Saint-Alors, bien sûr. Saint-Alors, vous êtes notre 10 001e client depuis l'ouverture de ce magasin. Si vous aviez été notre 10 000e client, vous auriez directement reçu votre bicyclette. Mais comme vous avez manqué cette opportunité de peu, je suis prêt à vous en offrir une si vous trouvez la réponse à cette question. Vous êtes prête? C'est parti. Les bicyclettes sont-elles disponibles en plusieurs couleurs? Ah, je sais pas, j'hésite. Hein. C'est pas comme si derrière il y avait un jaune et un brou, un vert. Ça m'étonnerait, hein. Bon, allez, je veux dire, bien sûr. Bravo, c'est la bonne réponse. Je suis sûr que vous prendrez grand soin de votre bicyclette. Dites-moi quelle couleur vous ferait plaisir. Je vais prendre jaune, hein, parce que j'ai pris vert pour l'autre. Merci, bicyclette. Oui, je pense que j'avais pris la verte. La bicyclette verte. Hop. On leur roller, ont chacun leur avantage. Elle préfère les rollers. Tu crois que j'irai encore plus vite si je monte à bicyclette avec mes rollers au pied? Je crois que oui. Donc tu peux toujours tester et moi je filmerai. Loul. Allez hop. Tac tac tac. Alors, ok. Qu'est-ce que c'est? Il y a des trucs trop bizarres dans ses cheveux, quand même. Un gros clochard, c'est pas grave. Pas de chance, si tu es venu pour la course, elle est déjà terminée. J'ai remporté la première place. J'imagine ta déception de ne pas avoir pu l'avoir. Tiens, en échange, une CS, c'est force. Avec ça, tes Pokémon pourront déplacer des montagnes ou du moins des gros rochers. Ok, avoir force avant le deuxième badge, tout à fait narmol. Par contre, si tu veux pouvoir l'utiliser en dehors des combats, il va te falloir le badge d'arène. Nana, si tu veux, nana, je t'y attendrai. Ok, bisous. C'est parti. Hop. Eh mais... Ah mais... Pff, une Pokéball, tant mieux. Un défenseuse plus. Trop cool. Je vais tellement gagner mes combats avec ça. J'ai un peu peur pour ces combats parce que je ne me suis pas beaucoup entraîné. Du coup, je pense que ça va pouer du cul. Mais ce n'est pas très grave. Comme ça, ça fera un petit suspense de ouf. Allez hop. C'est parti pour l'arène. Arène de Relifac le haut. Susu, donne-moi une eau fraîche. Type roche. Faiblesse comme eau ou acier, évidemment. Il y a aussi le type sol. Hein. Ok, donc en gros, c'est de l'escalade. Et il me donne pas de l'eau fraîche. Espèce de radin. Qui clochard. Bon. Hop. Tac, tac. On fait de l'escalade. Tout, tout, tout. Hop, hop. Roche, est-ce que c'est super efficace? J'espère pas, sinon je suis dead. C'est parti. J'en ai assez de l'entraînement, j'en ai assez de l'escalade, j'ai bien mérité une pause. Une pause café, susu avec un expresso, what else, biatch? Nicolo. Nicolo, le dresseur prometteur. Ah bah putain, tu peux pas mieux dire. Alors, insecte et roche, Krabicoc qui évolue en Crabarak. Et il est level 21. Je vais faire un vœu au cas où. Et il fait bulwark. Oh non. Eh mais sérieux, ils vont faire que du x5 à chaque fois? Oh, coup critique. Ok. Ça commence à les gaver. Ok, d'accord. Donc je rêve où il n'y en a aucun qui pourra résister à ce monstre. Bah, j'ai envoyé Nakti, hein, tant pis. Qui va recevoir le vœu, ben, qui sert totalement à rien, donc ça c'est super. Hein. Utiliser un PP pour que dalle. Elle perd 6 PV à chaque fois. Toucher deux fois quand même. Ah mais elle récupère sa vie. C'est vrai, c'est vrai. Swagamore. Pistolet à eau parce que c'est super efficace, mais la fermeté. Ah bah non, pas besoin.
Nakti n'est juste pas assez forte pour le niquer en un coup. Trois fois, ok. Bon, allez. Écume. Et voilà, KO. En avis, Nakti sera la guest star de cette arène, hein, que je vais tout le temps utiliser. Un reliquante? Je suis genre en mode choqué, là. Reliquante. Ah, merde. Oh, mais man. Ok, morsure peut-être. Non, mais là, c'est mort. Hein. Attends, j'ai quand même pas me faire niquer par ça, quoi. Ouais, je t'en viole l'attaque, rien à foutre. Tu devrais gagner. J'aurais dû prendre un Pokémon tout pourri, comme ça, il crève pendant le truc et serait... Shiny! Ah non, j'ai oublié. Non, je déconne. Eh oui, c'est un petit shiny. Un petit shiney trop mignon. Balayage, parce que je sais qu'il est lourd, ce petit clochard, et ça va peut-être lui faire mal. Ou pas. Il s'est endormi. Est-ce que je peux le réveiller? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser... Je n'ai pas le droit d'utiliser les objets pendant les combats. Ça va être trop cool. Casse-brique. Pistolet à eau. Ok, easy. Bon, je pense qu'il a une meilleure attaque qu'attaque spéciale, donc s'il peut continuer à faire ce genre de truc... Vas-y, réveille-toi. Yes, casse-brique. J'aurais dû faire ça, en fait, dès le début. C'est pas très grave. Ouais, je t'as vu, susu. Bon, le truc que je vais faire, c'est que j'allais les soigner, parce que ce premier combat a été plutôt difficile. Ouais, j'ai pas envie de prendre de risques, hein. J'ai pas envie d'utiliser mes potions, parce que je ne peux pas en acheter non plus. Donc, c'est un petit peu la galère, on fera des allers-retours tranquilles. Hop, ce n'est pas très grave. Tac, c'est parti, let's go. Hop, hop, hop. Donc je sais que certaines personnes ont attendu pendant plusieurs semaines la suite de ce Nuzlocke. Donc je tiens à m'excuser de cette attente. Mais bon, plus on attend, mieux c'est, j'ai envie de dire. En tout cas, je l'espère. Je vais changer de Pokémon pour mettre un Pokémon tout pourri. Voilà, comme ça, c'est dit, c'est fait, c'est torché. Tac. Il faut aussi savoir que pendant les vacances, je n'avais forcément pas le temps car j'avais mes cours à préparer pour mes élèves. Et je viens de faire de la merde, c'est pas grave. Et j'avais également... mon mémoire à faire, mémoire qui m'a pris, comment dire... Eh mais je suis con, j'ai cabriolène. Oh là là, quel clochard. Je peux plutôt prendre cabriolène, hop. J'avais mon... comment dire... Mon mémoire à faire. D'ailleurs, que j'ai... Et j'ai fait 26 pages, donc... bon, 26 pages, ça se fait pas en 3 heures, hein, j'ai envie de vous dire. Donc j'étais un petit peu préoccupé, et j'espère avoir une bonne note, hein, pour l'instant... Au niveau des notes, ça va, j'étais un peu déçu de la note de français, hein. Bon j'ai eu la moyenne, mais bon ce n'est que la moyenne, je suis un peu deg. Mais sinon, pour mon dossier de français, parce qu'il faut distinguer le partiel de français, de toute façon c'était vraiment difficile. Et, bon il y a eu des bonnes notes, hein, mais je ne fais pas partie des bonnes notes malheureusement, enfin si j'ai eu la moyenne, donc ça va, il y a eu des notes en dessous de la moyenne, mais bon, il y a eu des 16, des 17, hein, mais bon, c'est pas très grave. Faut savoir, je crois que je fais de la merde quand je parle, mais c'est pas grave. Il faut savoir que j'avais eu quand même un 16 à mon dossier de français, hein, susu. J'ai eu, je crois que j'ai eu 14 ou 15. Enfin, en fait, la prof ne sait plus si elle m'a mis 14 ou 15, donc j'espère que j'ai eu 15 pour mon, comment ça s'appelle, mon dossier en anglais. J'ai au minimum 12 à mon dossier de... Seul adresseur au cœur noble peut défier la reine de Rulfacle. Oh, hein, à mon dossier de mathématiques, sachant que le prof a dit il n'y a aucune note en dessous de 12. Et honnêtement, ce que j'ai fait en mathématiques, c'était un putain de travail. Hein. Franchement, je me suis surpassé. Hein. On devait faire, je crois, 3-4 pages, j'en ai fait le double. Hein. Je me suis dit, vas-y, je vais détailler à donf. Parce qu'il avait dit, oui, si vous ne détaillez, si je vois qu'il n'y a pas de travail, pas de moyenne. Enfin, il n'y aura pas la moyenne, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment accès. Mes pages, le travail, j'ai vraiment tout détaillé pour être sûr d'avoir une très bonne note. Comme ça, je suis tranquille. Oh, j'espère au minimum avoir un petit 14 ou un 15, ce serait bien. Ouais, ce serait vraiment bien. Ce serait plutôt sympathique. Comme ça, ça va compenser le 10 que j'ai eu en français. Hein. Voilà, ce serait cool. Au pire des cas, j'ai une 11 de moyenne si j'ai que 12. J'ai que 11 de moyenne à ZTE. Ah non, j'ai aussi à agir en fonctionnaire de l'État, mais... J'ai plutôt bien réussi cette matière, c'était compliqué, mais comme j'avais révisé, ça a été... Le problème, c'est que le prof est vraiment strict, très sévère, donc
Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Personnellement, j'ai réussi à bien répondre aux questions et j'ai fait à peu près comme beaucoup de personnes et comme c'est marqué dans mon livre. Mais comment dire? Pourquoi j'ai déplacé comme un con la console? C'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Hop, c'est parti. Mais voilà, le prof est. Apparemment, il note très mal. Et genre, une pote qui est très intelligente avait que 10 avec lui l'an dernier. Donc, je me suis dit, ça pue le cul. Et voilà. Bon, on n'a pas de chance d'avoir eu ce prof. Mais à la rigueur, je prie pour que. Comment dire? Parce qu'il y a différents profs qui notent. Et comme c'est anonyme et qu'ils se partagent les copies, ça se peut que je tombe sur un autre prof qui me corrige. Et pas celui que j'avais en cours. Et espérer avoir une bonne note, hein, qui sait? C'est pareil pour tout ce qui est psychologie de l'enfant. Mon prof il fait rigoler. Il a dit, alors pour moi une copie moyenne ça vaut entre 5 et 6. Narmol. J'ai envie de te dire narmol, hein. Moyen ça vaut 5-6, oui. Non, c'est pas comme si la moyenne c'était 10, hein. C'est pas comme si moyen ça valait 10, tu vois. Non, moyen c'est 5-6. Donc plutôt bien, ouais, c'est dans les 8-9, tu vois, tranquille. Donc oui, ça fait vachement flipper de se dire qu'on peut avoir un peu moins de 5, hein, si c'est moyen. Et si c'est pourri, bah là, je n'ose même pas savoir la note. Mais il est vraiment sévère, hein. Moi, ce que j'ai fait, j'ai été content parce que j'ai mis plein de choses intéressantes et que j'ai appris forcément en cours, hein. Après, va savoir. Si le prof, ça va lui plaire, hein, parce que le problème, c'est qu'il faut que ça plaise au prof, sinon c'est pas bon. C'est surtout comme ça en littérature, en tout cas, en tout ce qui est littéraire. Si ça ne plaît pas, c'est tout. Bah, alors qu'en mathématiques, bon, t'as faux, quoi. On va pas chercher midi à 14h, tu vois. C'est ça, c'est soit t'as fait la bonne méthode, enfin, t'as trouvé le bon résultat, ou soit il est faux, enfin. Y a pas de juste milieu, t'as vu. Et voilà. C'était la parenthèse, la grosse parenthèse. Explication de ma fucking life à l'école, enfin à l'école en master. Voili-voilou. Alors, on continue, on monte en espérant que ce soit ici et j'ai bien l'impression que oui. Et envoyer qui en premier? Don't know. Donc je ne sais pas, je pense qu'il va. Et j'ai sifflé avec ma voix. Je pense qu'il va envoyer Dragmora. Je crois que c'est ça, Dragmora. Hop, et après il va envoyer Petit Naridule. J'attendais, le cou tendu, le cou, pas seulement. Les bras et les jambes aussi. Mais qu'attendais-je, un challenger? Et je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Je suis impressionné que tu aies réussi à grimper cette paroi. Tu es une vraie femme Mimigal. Je vais donc pouvoir déployer ce cou, ces bras et ces jambes qui me réclament de l'action. Certes, ma taille me rend l'escalade plus facile, mais sois sans crainte. En combat Pokémon, cela ne compte pas et tu pars sans handicap. La question reste, réussiras-tu à atteindre des sommets contre moi? Bi-bi-bi-bi-biatch. Comme ça, t'as vu. Allez, je vous laisse écouter un peu la musique. Lino. C'est le masculin de Lina. Lol. Amagara. Oh, je suis trop beau gosse, Nyxaras. J'avais raison. Étoile, t'as vu? Susu. Ah non, c'est Wesh, t'as vu. Too bad. Donc, je vais lui faire un casse break parce qu'il est de type roche et glace et donc c'est x4 in his gueule, tu vois. Et j'y colloque, il va être KO. Oh. Il est trop choupi son petit cri. Son petit cri. Un petit Rhinidur. Ça pue du cul là. Allez, je tente rien à foutre. Écrasement. Ok, vas-y, rien à foutre. Oh, oh wesh, comment t'es paralysé là? On recommence et après sinon je change. Ah bah vas-y, va te faire foutre. Dragon et roche. 32, non, je continue. Je fucking try. Écrasement. Ok. Yes. Oh fuck, il va utiliser une potion, je suis deg. Mais ça me laisse le temps de changer de Pokémon. Alors, j'ai envoyé Nactie au combat. Alors, pourquoi je t'ai vu, reviens ici, parce que j'ai pas envie de perdre mon Shiney. Ça me ferait un peu chier. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai obtenu un Sévipère Shiny. Je vous l'ai même pas montré, je crois. J'en ai totalement rien à foutre de ce Shiny, putain. Oh là là. Hop.
J'ai vraiment pas été. Je l'ai eu, j'ai fait. Ok, bisous quoi. Le truc qui sert totalement à rien. Hop. Eh, mais attends, il me fait mal. Je tente quand même, au pire. Nakti, bye bye si t'es morte. Oh putain, elle a la trouille là. Putain de merde. Je sais qu'il va pas mourir, sauf s'il me fait tomber roche. Là, ça pue du cul. Et, ah putain, s'il me fait tomber roche, je suis dans la merde. Je crois qu'il va me faire soit écrasement, soit morsure. Morsure. Oh my god. Easy. Un rappel à rafale psy dans ta tronche et normalement t'es KO. Yes. Ouf. Finalement, on n'a pas eu de perte pour ce combat. Ça fait plaisir, peut-être que je les entraîne, hein, parce que une nouvelle paroi se dresse devant moi, et cette fois, c'est de toi qu'il s'agit. Sophia remporte 4000 Poké-Dollars. Parfois, on a beau étendre les bras de toutes ses forces, certaines choses restent inaccessibles, alors il faut s'accrocher. S'accrocher, c'est la clé de tout, en toutes circonstances, envers et contre tout. J'ai senti que ton équipe et toi, vous chérissiez ces valeurs, vous aussi. Vous méritez bien votre trophée, mon badge mûr. Il est trop mignon, son badge. Non, je déconne. Il est assez dégueulasse. Hein. Allez. Voilà, avec ce badge, tu pourras travailler main dans la main avec les Pokémon jusqu'au niveau 40, même s'ils proviennent d'échanges. Et puis, je voudrais t'offrir ceci aussi. Tombe Roche, justement, donc tant mieux. Il s'agit de Tombe Roche, c'est une attaque basée sur des jets de pierre. En tombant, elle limite les mouvements adverses et réduit la vitesse de l'ennemi. Les murs d'escalade de cette arène sont particulièrement élevés, n'est-ce pas? Il laisse le temps de se demander comment déployer ses ressources physiques. Le combat, lui, mobilise la réflexion pour l'utilisation d'autres ressources. Les Pokémon, blablabla, on s'en fiche. Voilà, comme ça c'est fait. Hein, il va pas casser les couilles. Maintenant, on va se tailler. Allez hop, tailler. Je crois que c'est là la sortie. Exact. Et bim! Et bim! Et bim! Voilà, ça c'est fait. Ça c'est la classe. On va juste aller soigner ces Pokémon et on va arrêter la vidéo tout de suite vu qu'il me reste que 2 minutes de vidéo. Donc dans tous les cas, voilà, on peut pas faire grand chose. Peut-être capturer un nouveau Pokémon. Allez, on va peut-être capturer un nouveau Pokémon. Oh, non, 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 je ferai ça pour la prochaine vidéo parce qu'en 2 minutes, il faut que... Il faut pas qu'il y ait de... Genre les deux gosses là, qui viennent pour me faire chier avec le Pokédex ou encore les rivaux trop cool, trop kawaii dessous. Et après, il faut que je les capture, etc., que je le surnomme. Enfin, ça risque de prendre beaucoup plus longtemps que 2 minutes. Voilà, je vais sauvegarder. Et en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce... je crois que c'est 9e épisode de ce non-Nuzlocke Shiny... Nuzlocke Shiny, bien sûr. Nuzlocke Challenge, c'est Pokémon version YQ. Écoutez, moi, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et j'ai l'impression d'être en pleine forme. Donc, tant mieux. Bon, je baille de temps en temps, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est vraiment pas très grave. Voilà. Petite dédicace d'ailleurs à Sakri avec son message sur ma vidéo de Kyurem, je t'ai répondu, voilà, et ça m'a fait plaisir ce que tu as écrit. Hein, j'adore les longs commentaires, donc voilà, moi j'adore lire, de toute façon j'ai pas fait un bac L pour rien, je suis pas en licence et en master pour rien, hein, comme certains peuvent le penser, mais ces personnes je les emmerde, voilà. Donc voilà, continue à m'écrire de longs messages, il n'y a aucun souci, et continuez... De marquer votre avis, de me donner des conseils ou je ne sais quoi, faites-vous plaisir, c'est la fête, c'est la folie, voilà. Sur ce, je vous dis, eh bien écoutez, à la semaine prochaine pour ça sera la deuxième ouverture de la box Yveltal pour le mercredi en tout cas, et pour samedi prochain, ce sera bah, évidemment le 10e épisode de ce Nuzlocke Challenge. Voilà, voilà. Et je vous dis une petite chose en exclusivité. J'ai trouvé un nouveau Shiny hier. Je mettrai la vidéo dans début février, je pense. Voilà. Bon, allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Voilà. Salut à tous.